Alors le stand de Bordeaux Métropole, c'est un stand sur lequel on est présent depuis plusieurs années sur le salon de l'entreprise. C'est un stand qu'on met depuis 4 ans à disposition d'associations, comme vous avez dit, voilà, de pépinières également, de couveuses, de structures représentatives de la création d'entreprise pour notre territoire. Donc on a plusieurs thématiques représentées à ce titre, donc la création d'entreprises généralistes, notamment avec les couveuses et les pépinières. Il y en a aussi des spécialisés, notamment sur l'artisanat et l'éco-conception. On a également des associations qui aident à l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire, que ce soit sur le financement ou l'accompagnement. Et on a également des entreprises qui interviennent sur le financement, que ce soit le financement classique, le financement avec du microcrédit, le financement participatif ou le financement solidaire. Sur le stand de Bordeaux Métropole, vous pouvez retrouver donc les différents acteurs que je viens de citer, donc les acteurs de la finance, du financement de projets. Vous avez notamment la Caisse sociale de développement local sur Bordeaux pour du financement de micro-projets, que ce soit personnel ou professionnel. Vous avez le financement de microcrédit via l'ADI notamment. Vous avez le financement solidaire avec Aquitaine Active. Vous avez également les acteurs pépinières, donc les acteurs d'incubation et pépinières, donc avec la pépinière éco-créative des Chartrons. Vous avez la pépinière d'entreprise de Sainte-Croix à Bordeaux sur l'artisanat. Et vous avez également des acteurs d'accompagnement à l'entrepreneuriat, donc à l'entrepreneuriat social comme Atis par exemple. Vous avez aussi des accompagnateurs sur le développement durable comme Le Campement. Des accompagnateurs plus généralistes aussi également comme BGE ou la Maison Initiative Entrepreneuriat et Haute-Garonne Développement.